إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Comme vous avez entendu mes frères et sœurs, le sujet de la conférence est intitulé Le prophète صلى الله عليه وسلم est la femme. Ce qui veut dire que nous allons ensemble, inshallah ta'ala, durant cette conférence, voir un peu certains côtés, comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam a-t-il traité la femme. Kayfa amala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam al-mar'a. Parler du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment a-t-il traité la femme et comment il voyait la femme, ça veut dire que le musulman comprendra comment l'islam estime cet être qui est la femme. Parce que l'islam se résume en le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est lui qui a apporté le Coran, le Coran al-Karim. C'est lui qui a institué sa tradition de la sunna. C'est lui qui a mis en application le Coran al-Karim, comme a dit Aïcha radiallahu anha. Quand son neveu lui a demandé quel était le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle lui dit, écoute-moi, est-ce que tu as déjà lu le Coran al-Karim? Le neveu lui dit, bien sûr. Aïcha lui dit, eh bien, le prophète s'est adopté comme comportement dans sa vie quotidienne Al-Qur'an Al-Karim. Kana khuluquhu Al-Qur'an sallallahu alayhi wa sallam. Donc, parler du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de la femme, c'est-à-dire parler de l'islam et de la femme. La situation, la place de la femme en islam, mais comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam est le modèle pratique pour que je ne laisse pas l'imagination de certains dire que l'islam parle que de la théorie, qu'il y a des beaux principes en islam, mais qu'on ne veut pas appliquer, eh bien je parlerai de la pratique du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je citerai tout d'abord les textes qui régissent cette relation de la femme avec son entourage, le mari, le père, le frère, la société. C'est à partir des textes. Ce sont les textes qui gèrent et qui régissent la vie du musulman. C'est une chose qui est tout à fait, qui fait l'accord des musulmans. Mais ces textes ont été appliqués par Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Le sujet ou le schéma de cette conférence, inshallah ta'ala, sera comme suivant. Tout d'abord, pourquoi le sujet de la femme a-t-il fait couler beaucoup d'encre? La femme, les droits de la femme, pourquoi la femme, l'islam, la femme, l'homme et la femme. Deux, les gens face à la question de la femme. Et vous allez voir que les gens ont réagi face à cette problématique de la femme, entre parenthèses, les gens sont de trois catégories. Je citerai ces trois par après. Troisième point, la femme avant l'islam. Comme j'ai dit hier, je me réfère toujours à cette parole rapportée de Omar ibn Khattab, « Lam ya'rif l'islam, man lam ya'rif l'jahiliya ». Celui qui n'a pas connu l'jahiliya ne connaîtra pas la vraie place et les vrais mérites de l'islam. Celui qui ne sait pas qu'est-ce que ça peut faire la drogue, pas forcément celui qui consomme, mais il connaît, je parle de la connaissance. Celui qui ne connaît pas qu'est-ce que ça fait la drogue, peut-être il dit, ouais mais c'est bien d'essayer une fois, de voir qu'est-ce que ça peut faire. Ça rend l'être humain un esclave, perdu. Quelqu'un qui ne sait pas qu'est-ce que c'était les gens avant l'islam, eh bien, il dira un jour, ouais mais la prière 5 fois par jour c'est dur, le hijab c'est dur, etc. Pourquoi ? Parce qu'il n'a pas vraiment connu c'est quoi vivre de l'autre côté. Et vous allez voir un aperçu
avant l'islam, mais aussi après l'avènement de l'islam et aussi à notre époque. La femme, j'ai essayé de donner la situation de la femme, de la décrire en bref durant ces trois étapes. Avant l'islam, après l'avènement du prophète sallallahu alayhi wa sallam et la femme aujourd'hui. C'est à partir de ces trois étapes, vous allez voir que les trois classes, les trois catégories de gens dont j'ai parlé, eh bien vous allez le voir clairement dans la réalité, inshallah ta'ala. Ensuite, je parlerai du prophète sallallahu alayhi wa sallam et la femme. Le respect qu'avait le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour la femme et la valeur donnée par l'islam à la femme, normalement ça doit être pour nous les musulmans une chose tout à fait normale. Et si ce n'était pas la réalité des musulmans aujourd'hui qui nous pousse à traiter de ce genre de sujet, on n'aurait jamais pensé qu'on aurait besoin de discuter de ces sujets, spécialement de la femme. On n'a pas de guerre contre la femme. La femme, elle est soit ta mère, soit ta sœur, soit ta fille, soit ta tante. Subhanallah, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam à ce jeune qui est venu demander au prophète sallallahu alayhi wa sallam s'il pouvait commettre l'adultère. Alors le prophète lui dit, l'acceptes-tu pour ta femme, pour ta mère, pour ta sœur, pour ta tante, pour ta fille? Toutes ces femmes sont soit pour toi, soit une sœur, soit une mère, une tante, une fille, etc. Donc je ne vois pas pourquoi nous devons faire cette guerre inventée contre l'homme et la femme, subhanallah, et créer une certaine inimitié entre l'homme et la femme, adawa. Pourquoi? Mais malheureusement, je rappellerai quelques causes de cette question qui est posée aujourd'hui chez tout le monde, et même chez les musulmans, et nous aussi, nous les musulmans, en partie, nous sommes concernés, et nous sommes une des causes qui ont poussé les gens à parler de la question de la femme, malheureusement par notre pratique qui est mauvaise, notre compréhension de l'islam qui est mauvaise. Et je citerai aussi quelques exemples, quelques cas concrets du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et aussi après, mais surtout du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, vu que le titre c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam et la femme. Et finalement, je parlerai, bihaoulillahi ta'ala, des fruits de l'éducation donnée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam à la femme musulmane. Les fruits, les résultats, les conséquences dans la réalité de cette éducation prophétique du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On parle aujourd'hui de la femme parce que malheureusement, beaucoup, je dis bien beaucoup de nos frères hommes utilisent leurs droits d'une manière qui n'est pas correcte. Beaucoup de nos frères savent menacer la femme par le divorce, par la polygamie, par, etc. Donc il y a une utilisation des textes qui n'est pas correcte. Deux, certains d'entre nous commettent de l'injustice envers la femme. D'entre nous, je parle de toute la communauté, 1 milliard 500 millions. Certains d'entre nous commettent de l'injustice. Trois, il y a aussi une grande ignorance chez la femme musulmane, une grande ignorance de sa religion. Qu'est-ce que lui demande Allah subhanahu wa ta'ala? Pourquoi elle pratique? Pourquoi elle doit porter le hijab? Pourquoi elle doit prier? Eh bien, l'ignorance, elle est pour beaucoup dans cette histoire dont on parle aujourd'hui. Il y a aussi l'influence de tout ce qu'on voit aujourd'hui comme médias, le contexte général, au nom de la liberté, au nom des droits, au nom de l'égalité. Eh bien, il y a une certaine révolution de certaines femmes musulmanes ignorantes qui n'ont jamais connu c'est quoi l'islam, comme nous allons voir, inshallah ta'ala, avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il y a le contexte mondial aujourd'hui qui a fait de la femme un objet, dans sa grande majorité, un objet commercial. Et il y a aussi la responsabilité des hommes musulmans qui commettent l'ignorance et l'injustice envers la femme. Et si vous voulez des exemples, on en a, inshallah, pour toute la nuit. Et même dans certains pays, ça devient une tradition de priver la femme de son droit à l'héritage, l'enseignement, etc., etc., chez les musulmans. Et quand vous avez même entendu hier que même certains, quand ils parlent de la femme, ils disent « hachek », comme s'il va dire une bêtise. Le mot « femme », on a honte à le prononcer, subhanallah. La femme avant l'islam, je cède la parole à certains non-musulmans qui décrivent la femme avant l'islam. Un des chefs politiques de l'Inde au début du siècle passé, qui était à l'époque de Gandhi, qui le connaît d'entre vous.